interdit à ce qu'on a visité évidemment au Stade Fest qui l'accueille. Voilà, un grand jeu qui a souvent été là pour la première fois. Est-ce que Kazunoko va encore rouler sur le monde entier? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants, mais il faut déjà arriver jusqu'à Kazunoko. Et le chevalier d'or, le chevalier bronze, bien sûr, et le chevalier d'argent. Mais Joey Gashi n'est pas au pif. D'ailleurs, il a fait d'autres prestations contre le Bora. Il a fait une année, hein. Je vois pas grand chose. Joey Gashi est plus un vrai joueur que Monster. Sans vouloir, bien sûr, taper sur l'ami boxeur, c'est pas la vie. Sinon, on peut dire qu'on était 25 types de 3, donc c'est pas mal. On est parti pour cette grande finale. Ça joue au jeu, ça joue en France. C'est des 3 et 3. C'est donc ouais, en France. Et donc, quand ils vont avec le Zato One de Chongster, un ancien champion européen, notamment, il a beaucoup squatté au Japon sur le jeu, il n'y a pas la retraite. Et là, parce qu'il est en grande finale contre l'ami à vous inquiéter, un des meilleurs joueurs européens également. Et Chongster qui commence bien, tout de suite, avec le maître, pour l'instant, l'Ania, voilà le Jacka, tu l'as agressé, ça c'est l'Ania qui permet d'agresser dans la gare, et la serre qui passe, pour l'Ania, attention à la relevée, il pose un disque, il peut agresser derrière, ça va très vite, Jacka qui sera dans le feu, tout de suite, il se met à l'attaque, c'est son adversaire, qui est complètement bloqué, il va jouer, voyez, c'est la pique, pour tenter de le dire, le burst qui permet de noyer, la dingue encore pour l'instant, les deux joueurs, plus d'égalité, c'est parti très dans ce match, et Jacka, qui est au moins rouge, il se rate derrière, il y a beaucoup de. L'avantage en est de l'autre côté. Pour l'instant, Chongster va être un beau test avec. Il lui permet de garder la pression, de passer le casse-garde. Attention, c'est potentiellement un avocat de l'équipe de Tabora. Il va le temps sur setup, Chongster. Il a son setup. Il a l'avantage à l'énergie, mais sur un seul wake-up game, il peut complètement le tuer, Chacal. On va s'en scène. Encore, avocation de la dette. Il le bloque dans le coin. Il regarde le joueur de l'énergie parce qu'il va lui s'en sortir. Et voilà. C'est la phase officielle. En tout cas, on a parti de l'incertitude qui permet à chacun de rentrer dans la carte de Chongster. Mange, il va être ouvert. Attention, avec la scie, le hélic est un vol. Yeah, Chongster, qui a pris le premier round, mais on s'en prend en sécurité. Jacques, voilà, qui va l'envoyer dans le coin. Il sort la boule, vous voyez, qui permet de garder la pression dans la garde. Il ramasse chaque dans le coin et c'est au tour de Chongster de presser, de presser, de presser dans la garde. Et Jacques, qui s'en sort encore. Qui permet de faire overhead, ça va très très vite dans l'équilibre. Il va reposer un disque pour empêcher toute sorte de fuir, vous voyez, mais qui s'envole, il servira avec sa réaction des disques. Voilà, de perdre ce match, c'est difficile. C'est difficile pour l'instant pour le joueur de Elite, quand j'ai quelques joueurs comme ça, il a invoqué ça super avec les roses qui permettent de faire une traînée en route et derrière, et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Sans doute, voilà le rouge pour Jacques. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour l'instant pour Chongster qui était bien à partir. Regardez, ça fait un stand overhead, c'est sans pitié, c'est beau, il y a une presse qui continue. Il est dans le coin, il presse. La dague, le dash qui est trouvé, qui est un gros overhead et qui ressort le coin pour remettre le disque. Chongster qui a Colbert, qui a toute sa barre et ce qui va pouvoir s'en servir. Et dans ce casse-garde, quand c'est le jeu, Chongster qui a la barre mais qui est tellement loin derrière, ah, ça va être chiant. Ça va être très difficile là, contre Jacques qui continue son pression, sans doute la fin, pour que Chongster fasse un bon premier round, mais là, il a un peu peur, mais telle remontée dans le midi, il n'y a pas du bras. Donc ça joue au jeu en France, à vous, t'entends ça, ça joue au jeu Guilty, faut faire les tournois dessus, on est là. Et encore il manquait plein d'anciens. Donc on envoie Kazunoko direct. On passe pas par Joey Gashi, non. C'est pas mec parce que au premier tour justement ils ont été envoyés en loser Kazunoko parce qu'il a laissé Monster Joey Gashi jouait avant, donc quand il est arrivé, il est tombé sur un Zino super chaud et le temps qu'il se remette dans le bain, il s'est fait dérailler. Donc je pense que là, il préfère jouer tout de suite, sans la pression d'être le dernier à froid. C'est bien vu, hein, c'est
c'était cunicule. Sol Bagay. Bon, faut savoir qu'Azumoko, il gagne pas les tournois au Japon quand même. Il est bon, il est dans le top. Voilà, il est pas vraiment, arrête, il est dans le top. Ah, tu veux dire oui, pour te masteriser. Il a gagné déjà, peut-être en team, non? Archivo? Ah, ils étaient en team, ah oui, parce qu'il était en team. Bah oui, il a fait le boxeur de là-bas, en fait. Mais en vrai, il est top 30, on va dire, au Japon. Et Nogura aussi, pareil, ils sont top 20, top 30 au Japon, mais l'écart de niveau est tellement incroyable avec l'Europe et le reste du monde, même si les Américains, ils ont quelques bons gars quand même, ils ne sont pas leur enlever, ils ont réussi à placer un mec sur le top 8 l'année dernière. L'année dernière. Donc moi, je suis dans le tour, c'est le top 8. Je sais donc que c'est un très bon joueur, mais c'est pas un désolé à Gap là-bas, mais ça suffit à faire place aussi. Et là, il a un seul. On sait parce que Milia, tu tombes une fois et Jacqueline, il fait quand même le setup. Ouais, il veut pas deux, là pour éviter. Ouais, il peut rien faire avec le Milia. Oui, bien joué là. Le bateau se refait, il punit tout de suite sa burst pour éviter un setup cruel de Milia à l'enlever. Air shock. Oh là là, il a trouvé l'assassin, il faut pas bouger. Oh, il a eu peur de la choc, il a eu peur du l'encre, il a fait pour ce kick. C'est ça, hein, c'est que Sol, c'est un shooter aussi. On oublie souvent les mêmes choses, mais là, c'est la dragon et boule. Il tourne sur toi, tu peux pas savoir. Et en plus de ça, il y a le live qui va prendre le jeu tout fait entière. Donc c'est assez fort quand même. Là, c'est par contre, il est dans le coin. Allez, on pousse. Ah oui, bien joué. Il a laissé complètement pas de conseil notice. Et il a puni, il a fini le travail. Bien joué, Jean-Claude. Le gros sang-froid. Le Sega Fredo sorti au bon moment. Ouais, attention, le grand est perdu. Une petite vie, bien sûr. La maquette est mythique. Le disque ne l'est pas, mais ça suffit. Ouais, voilà, il le laisse un peu. Oui, bien joué, là, il n'a pas pu finir le burst. Le dragon, le petit. D'accord, oh, bien joué, le blitz. Jacquel complètement éveillé au petit chose. Tu as gardé Pixel, c'est bien. Il y en a d'autres qui arrivent. Tu sors pas du point gratuit. Faut pas une shot. Oh, le backdash. À la rose, il a failli être pire parce qu'on kick. Ouais, alors il ne peut pas faire le follow-up du dragon. Ouais, il retombe en dragon pour piéger l'entière. C'est bien joué. Allez, oh, là, il va prendre le headshot. Il break, va finir, on bouge pas, on peut le faire finir, tout simplement il m'arrête, dragon, non, le follow-up du dragon pour assurer le knockdown. Ah oui, c'est où? Ah, ça se cherche, alors on entier, c'est fou. Voilà. Et maintenant il reste plus que Joe Higashi. Et cet homme, le 7ème sens, en certaines occasions. Moi j'attendais Kazunoko contre Alioune, parce que tu sais, ça a parlé. Et Alioune, il a dit lui, il aimerait bien tester les tops japonais. Et Kazunoko, il a dit quoi? Il a dit bah il faut déjà qu'il me tue moi, alors qu'il n'arrive même pas à tuer Jacquel. Alioune, il faut déjà tuer les tops français. Voilà, ouais, c'est vrai. Faudra que je lui dise, tiens, je suis au bout de traduire. Ah bah là, il y a que Higashi peut traduire. Bah, il fait donc la Joe Higashi qui est obligé de faire un exploit avec son chip Zanu. Il est quand même pas au pif ce chip. Est-ce que donc ça va faire le travail? C'est compliqué avec chip, c'est toujours pareil contre Mia. Dès qu'on est dans ce disque, c'est. Mia et Chip, ils sont très similaires dans le sens où ils n'ont pas de vie. Alors, ils n'ont pas de vie, et quand ils touchent, c'est chaud, sauf que Chip, ça manque plus de skin quand même. Mais il a le dragon. Et elle n'a pas de pif sans dragon. Mais elle a le blitz. Elle est super, mais sans gratuitement. Alors, on est parti avec Phil Jurigashi, un ancien voilà, de la communauté Guilty Gear, qui est capable de tout, hein, qui est capable déjà d'ouvrir les portes dans des finales. En tout cas, pour l'instant, on est sûr qu'il va jouer à la dash. Effectivement, ce qu'on dit, c'est la rencontre de Jacques Arriani. Il a joué de faire des stop dash dans les airs pour retomber devant ou derrière. Mais pour l'instant, ça marche pas. Heureusement, il trouve le coup de cœur. Jurigashi, bon, c'est très joli pour l'instant, ça touche quand même. Ça touche quand même avec les portes de DGZ. Pour l'instant, Joe Higashi qui cherche avec ce match-là, qui cherche le coup de
Black s'y retrouve en corner. Ça va faire très mal, la barre de Jugashi qui a complètement fini. Oh là là là, c'est dommage cette fois, c'est très très bien joué là. Ce Fabien Soul, voilà, et bien joué le coup qui est chopé. Je vous l'ai dit, c'est top, peu attendre le 7ème chance. Est-ce que Jugashi va sauver Kazunoko et le 2 qui est complètement coulé. Il a tenté une carotte de tête. Ouais, ouais, j'ai pas passé. Oui, là, juste après. Pour l'instant, en tout cas, l'overst pour Jugashi pour se sortir. Voilà. Faut pas qu'il se laisse mettre au sol par Mia. Il s'éloigne, évidemment, il a raison avec le coup de mort qui lui permet de bien gérer avec le Shuriken. Et le Kansen, ça va très très vite. Surtout ce match, les deux mecs qui vont plus vite dans le jeu. Il faut le suivre. Pour l'instant, il cherche à se toucher. C'est Jugashi qui peut verser. Il cherche une carotte de tête qui n'est absolument pas passée. Pour l'instant, il court super mal. Et il ramasse. Il ramasse avec le RC. La barre qui fond incroyablement. Alors, juste un petit résumé, la team à la frame avec Alioun,
Civil, Kyungster et Kazunoko. Il joue contre Phil, il avait perdu le premier round, donc quand on va lancer ce match, Jackal va volontairement perdre le premier round pour qu'on prenne dans les bonnes conditions. Est-ce qu'il y a encore du monde au Snapfest? Voilà, il y a plus d'ambiance que tout à l'heure. On est parti, on lance ce match divin. Et on va pouvoir voir le Destroy. Peux-tu nous rappeler, mon cher consultant technique, qu'est-ce que le Destroy dans Guilty? Alors le Destroy, c'est la possibilité d'activer un mode qui vous permet de tuer votre adversaire en un coup. Alors c'est difficile à placer en match, mais là en l'occurrence, on peut faire cette phase. Dans X-Herb, c'est tout à fait faisable. Non, dans X-Herb, ils ont rajouté que si tu le Destroy va tuer, tu peux le faire. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est stylé. Comme dans Blizzard d'ailleurs. Et donc, on est parti. Dans le style premier. Je rappelle, c'est un faux premier round. Tu gagnais le match direct dans le style premier. C'était cool, là. On va avoir un tout petit peu de son du jeu. Merci beaucoup. La régie, dans quelques instants, espérons que c'est pas ça qui fasse tout casser. Moi, si c'est ça, on saura. Les musiques qui sont exceptionnelles hein, dans ce jeu. Et oui, on dirait qu'on regarde un anime, mais c'est de la 3D, c'est assez fulgurant, incroyable, et victoire du premier round. Mais c'est parti en tout cas, cette grande finale qui reprend. Donc on va revenir pour l'instant avec Jackal, qui trouve cette fois-ci le vert combo. Le vert combo encore tout de suite, ça va être difficile pour Philippe, en plus après l'interruption d'une heure. Le disque qui est posé, Jurigashi qui peut le prendre derrière, il cherche évidemment le match, mais coup de théorie pour tenter de tuer Jurigashi, est en complet retard à l'énergie, forcément après de l'heure de pause. Je fais partie de cette société, donc l'éditeur officiel, on peut l'applaudir.
de Guilty Gear Xor Revelator qui est avec nous et qui va nous remettre des lots exceptionnels pour les vainqueurs de ce tournoi. Pendant qu'on remet des lots, je vais vous expliquer de quoi il s'agit exactement. C'est l'édition collector de Xbox Edition, le Guilty Gear Revelator, qui sera acheté dans la table de jeu, et qui comprend le jeu en lui-même. La BO de Sandai 2014 sur un disque vinyle, sur deux disques vinyles en rouge, plus en version CD traditionnelle et un super visual book qui arrive le pack complet. Il faut savoir que l'album est unique au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a que en Europe que cette édition collector existe, ni au Japon, ni au Japon. Et ils sont prêts de produire. On peut remercier en tout cas l'éditeur en Europe, YouTube TV, de cette version Revelator. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas pour une fois que la France et l'Europe, on est au devant sur ce magnifique jeu. Et évidemment, on vous donne rendez-vous demain pour Revelator. Les chers teams de champions, sans doute l'année prochaine, pour garder vos titres. On va pouvoir procéder. Sinon, il y a d'autres prix qui arrivent. Hein, les prix du Stunfest, voilà. Les premiers. Avec des succulentes friandises. Des lots supplémentaires. Moi j'avais des questions pour Kazunoko. Et toi, plaisir, il faut déjà aller en retard. Hein. Ouais, vas-y. On est en retard. Joe. Tu peux lui demander s'il pense qu'à Lyon, il pourrait se taper avec les Okage japonais. Il demande. C'est comme quand on voit un fax. La réponse arrive tout de suite. Hello. Donc pour lui déjà, le joueur le plus fort de Guilty Gear, c'est Machabo. Et déjà, il n'y a pas de joueur japonais qui arrive à Machabo. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Donc ouais, c'est vrai que Machabo, il est un peu à part quand même. Joueur de caille exceptionnel. Joueur de caille qui est en cime. Il joue au cime, il est aussi invincible. En tout cas, merci à Mao, aux organisateurs, à Oro, à la team Guilty Gear, c'était un... And like, Gutex says, oh my brother, testify! Yeah.